Ils sont formés, entre autres, sur la bonne mise en forme des documents, la réalisation des graphiques et des micro-commandes. Les chefs cellules communales et les membres de la cellule de suivi évaluation ajoutent ainsi à leurs connaissances antérieures de nouvelles notions sur le logiciel Excel avancé selon la norme ICDL. Nous savons que les outils bureautiques Word, Excel et tout cela sont les plus utilisés dans nos administrations au sein des organisations. Alors TechnoServe a lancé un appel d'offres et nous avons gagné et nous sommes là pour former et renforcer les capacités sanctionnées, comme je l'ai dit, par une certification ICDL du personnel de l'ATDA 4. Cette formation est donc capitale parce que permettant d'accroître les performances des agents sur le terrain. Ayant constaté le niveau actuel de nos agents, que ce soit sur le terrain ou au niveau de la direction générale, par rapport à la manipulation et l'utilisation de ces données, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait faire quelque chose. Et pour y arriver, nous avons sollicité l'appui d'un partenaire technique et financier, en l'occurrence l'ONG américaine TechnoServe, qui a bien voulu nous accompagner. Après avoir équipé l'ensemble du personnel technique de l'Agence territoriale de développement de Pôle 4, et en matériel informatique, notamment les smartphones et autres logiciels de formation des producteurs, dans le cadre du suivi et de la mise en place du dispositif de suivi, il est prévu de renforcer leurs capacités dans l'utilisation d'un certain nombre de fonctions, dont les fonctions avancées de Excel, qui leur permettent de collecter, d'analyser et de fournir les données en temps réel dans un délai rapide qui puisse permettre des prises de décision sur des bases beaucoup plus contextuelles. À l'issue des différents modules, les participants seront désormais capables de traiter efficacement des données sous toutes ses formes dans les fonctions avancées du logiciel Excel.